Hamon and Benson. Le journal des stratèges. Le ministre des Finances britannique Jeremy Hunt a annoncé une réduction des aides aux entreprises pour les coûts de l'énergie car leur montant actuel n'était pas soutenable pour les finances publiques du pays, nous relate BFMTV.com. Alors, les nouvelles mesures vont prendre la suite du programme actuel d'aide qui expire fin mars et doivent durer un an. Les entreprises éligibles bénéficieront d'une réduction sur leurs factures et non pas d'un prix plafonné comme actuellement. Les secteurs particulièrement gourmands en énergie comme l'acier, le verre ou les céramiques bénéficieront d'une réduction plus importante. Alors le nouveau dispositif est plafonné à 5,5 milliards de livres et vise à trouver un équilibre entre le soutien aux entreprises et l'exposition de l'argent public à la volatilité des marchés de l'énergie. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, hein, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie.